Il est 10h et la plage se remplit doucement. Pour être pleine cet après-midi, voire à midi. Pleine de monde, bien sûr. Ce sont des écoles de surf. Le phare. L'hôtel du palais. Le casino municipal. Le rocher du Bastard. L'église de Sainte-Eugénie et la place du même nom. Le port des pêcheurs. Les célèbres crampottes du port des pêcheurs. Avec les restaurants. Notamment Albert. Au rendez-vous des stars du cinéma de la chanson.
et le rocher de la Vierge. La ville appelle ça. Au fond, la côte de Basque. Ouais, il y a un pêcheur sous-marin. Alors cette tache que l'on voit sur l'eau, ce n'est pas de la pollution. C'est un effet tout à fait naturel dû aux conditions climatiques actuelles. La célèbre cafetière que tous les anciens connaissent. La cafetière sous un autre angle. Il faut dire qu'à l'époque, c'était un lieu de pêche très prisé par les gamins, dont je faisais partie. Où l'on pêchait le mulet. Il y avait les égouts qui sortaient par ici, les égouts de la ville. Donc il y avait foison de poissons. Et on vendait ça aux Parisiens. On appelait ça les muges. Et là c'est calme, parce que quand il y a les grosses vagues qui rentrent là-dedans, je ne vous dis pas, un spectacle formidable.